Donc nous avons 2 heures, donc je pense qu'un exposé d'une heure à peu près, un peu moins, et puis la conversation comme la dernière fois. Merci Jean-Daniel, merci beaucoup d'être venu. Merci Olivier, bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, je vous propose, comme la laïcité est un très vaste sujet, de nous en tenir, comme c'était un peu indiqué dans le titre, au mode d'organisation, compétences et contraintes des institutions culturelles. Et les autres questions seront abordées tout au long des autres soirées. La notion de culte n'est pas définie par la loi. Le Conseil d'État en a proposé une définition en 1997, c'est-à-dire très longtemps, après la fin de la loi de 1905. Et cette définition, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, peut sembler un peu trop majorer l'importance des cérémonies et, corrélativement, minorer tout ce qui a trait à l'organisation et à la vie quotidienne d'un groupe. Et d'ailleurs, on remarquera que si on considère la définition qu'en donne la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle est tout autre, puisque son article 9 affirme le droit de manifester sa religion par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. On se rend compte que ce n'est pas du tout le même domaine qui est envisagé. Alors pour essayer de faire ce point d'étape sur la période 2011-2019, je vous propose d'étudier successivement quelques décisions récentes du Conseil d'État, deux lois promulguées en 2014 et en 2017, deux propositions de loi qui sont d'origine parlementaire, deux projets de réforme des présidents successifs de la République, avant de rappeler les principes fondamentaux qui, me semble-t-il, devraient être respectés dans la conduite de toute réforme à venir des dispositions en vigueur. Dans le premier point, la jurisprudence libérale du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est son rôle depuis fort longtemps, dans sa fonction de régulateur de la vie paroissiale, et il a fait dans l'esprit qu'avait déterminé Aristide Briand en 1905, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte interprétation, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. Et cette indication du responsable principal de la loi de 1905 est vraiment ce qui conduit le rôle du Conseil d'État depuis plus d'un siècle en la matière. Pour illustrer cette jurisprudence, 3 séries d'arrêts qui ont attiré l'attention. Premièrement, une série d'arrêts, 5 arrêts de l'Assemblée. L'Assemblée des Conseils d'État, c'est la plus haute composition de cette formation, du 19 juillet 2011, qui avait pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent subventionner des pratiques ou des édifices religieux tout en respectant la loi de séparation. Et pour ces 5 arrêts, l'essentiel, c'est l'existence d'un intérêt public local. Et s'il y a intérêt public local, il peut y avoir subvention publique, pour autant que simultanément soit respecté le principe de neutralité de l'État. Pour donner des exemples précis, c'est au nom de cet intérêt public local que le Conseil d'État a dit qu'il est possible qu'une commune finance l'acquisition d'un orgue placé dans une église qui lui appartient, et l'orgue étant destiné à servir à la fois pour les services religieux, mais aussi pour la formation à la musique et l'organisation des cours. Il est tout à fait donc possible que la commune achète l'orgue et la répartition des frais devra être répartie entre l'église et la commune au prorata de l'utilisation par chacun. Ça paraît une évidence, mais ça a été une révolution dans la jurisprudence du Conseil d'État, puisque jusqu'alors, c'était tout à fait exclu. L'autre exemple qui a été donné, qui aussi peut paraître surprenant, c'est le problème de l'ascenseur de la basilique de Fourvière à Lyon. La basilique de Fourvière à Lyon se trouve être propriété d'une fondation qui non seulement est propriétaire, mais gestionnaire. Curiosité, mais intéressante à retenir pour la suite. Et le Conseil d'État a dit, dans la mesure où cet ascenseur, s'il est utilisé, servira aussi aux touristes, il peut tout à fait être subventionné par la ville de Lyon, le Conseil départemental et le Conseil régional. Et ce qui, les propres mots sont importants, la circonstance
qu'un tel équipement ou aménagement soit par ailleurs susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte ne saurait affecter la légalité de la décision. C'est quand même clairement indiqué. Ces subventions sont possibles dans les deux cas, dans la mesure où le propriétaire n'était pas une association cultuelle. Puisque pour les associations cultuelles, ce n'est pas un problème de jurisprudence, la loi l'interdit, point final. Et ensuite, dans un deuxième temps, le Conseil d'État a étendu cette possibilité de subvention aux congrégations religieuses ou aux communautés monastiques pour des actions de promotion des énergies renouvelables et de la maîtrise de la demande d'énergie. Toutes ces décisions sont applicables à des personnes morales qui ont, par ailleurs, des activités cultuelles, ce qui donc renverse la jurisprudence antérieure, mais exclut expressément leur application aux cultuelles. Pour autant, on regarde ces dernières, les cultuelles. Le Conseil d'État vient très récemment, en mars 2019, de préciser dans quelles conditions une commune peut accueillir de manière pérenne des activités religieuses. Vous savez que le principe de base, c'est qu'une commune peut accueillir toute activité qui est demandée par une association qui a son siège dans la commune, mais qu'elle ne peut pas réserver de manière pérenne et régulière un local pour quelque association que ce soit. Et donc, pour ne pas dire tous les dimanche à 10h, il y aura le culte dans un local communal. C'est interdit par la loi. Et le Conseil d'État vient de faire une inflexion là aussi importante. Toute collectivité a un domaine public et un domaine privé. Le domaine public, c'est celui, par exemple, des écoles, des services de la commune, etc. Et le domaine privé, c'est le bien qui appartient au Conseil d'État, comme il appartiendrait à n'importe qui d'entre nous. Et le Conseil d'État vient de dire, dans son bien privé, dans son domaine privé, il est tout à fait possible qu'une collectivité accueille, pour autant que ce soit au même prix que les autres, que ce ne soit pas une subvention déguisée, mais au même prix que les autres, et dans les mêmes conditions que les autres, l'exercice d'un culte. C'est aussi un changement tout à fait important par rapport à toute une jurisprudence intérieure. Relevons toutefois que toutes ces évolutions du Conseil d'État privilégient en priorité au culte qui utilise des édifices appartenant à une collectivité territoriale, ou à une congrégation, ou à une association 1901. Puisque ceux qui appliquent strictement la loi 1905, comme les protestants, ne bénéficient en rien de cette évolution. Ça fait partie des constats qu'il faut faire. Effectivement, on ne pourrait changer cet état de fait qu'en modifiant la loi. Donc ce n'est pas de la compétence du Conseil d'État. Mais quand même qu'il faut remarquer que dans notre système, où tous les cultes n'ont pas appliqué la loi de 1905 en 1905, ceux qui l'ont appliqué continuent à être d'une certaine manière pénalisés de leur obéissance à la loi. Ça, c'est un problème important. Deuxième point, après l'évolution de la jurisprudence, des dispositions législatives discriminatoires. Il se trouve qu'il y en a eu deux récemment et qui perdurent, si c'était il y a quelques mois, mais ce sont chaque fois des dispositions anciennes qui vaut la peine d'être connues. La première disposition, c'est une loi du 31 juillet 2014, donc il y a plus de 5 ans, qui a mis fin à l'interdiction qui existait depuis 1901. Depuis 1901, il est interdit à une association d'être propriétaire d'un bien autre que les biens dont elle a strictement besoin. Une association depuis 1901 peut posséder les lieux de réunion, d'une part, et tous les biens strictement nécessaires à son activité. Et cette loi du 31 juillet 2014 a modifié tout à fait cette règle en disant que toute association qui a plus de 3 ans et qui est d'intérêt général peut recevoir, à titre de legs, des immeubles et en faire ce qu'elle veut. Et si elle peut en faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle peut soit les utiliser pour ses activités, soit les louer. C'est ça l'enjeu de la question. C'est tout le problème du patrimoine. Et l'exposé des motifs de la loi était très clair. L'exposé disait « Les restrictions apportées historiquement aux droits des associations par la loi de 1901 sont désormais obsolètes et ne reflètent pas la réalité des besoins et des services rendus par beaucoup d'associations. » Et cette évolution des dispositions a pour objet de renforcer les fonds propres de ces associations. L'autre intérêt qu'on peut voir dans cette disposition, c'est qu'elle rapproche le droit de ce qu'on appelle la France de l'intérieur, c'est-à-dire la France métropolitaine hors l'Alsace et la Moselle, des règles qui existent dans ces trois départements,
puisque dans ces trois départements, les associations ont tout à fait le droit de recevoir des libéralités. Donc c'était une disposition qui tendait à unifier le régime des associations en France. La difficulté, si c'était que positif, nous n'en parlerions pas. La difficulté, c'est que cette disposition législative bénéficie à tout le monde, sauf aux associations cultuelles. Puisque la définition qui a été retenue dans la loi consiste à dire « Cette disposition vaut pour toute association dont l'ensemble des activités est mentionné au petit b du 1 de l'article 200 du Code général des impôts. » Le petit b du 1 de l'article 200 du Code général des impôts, chacun le sait, c'est ce qui permet la déduction des dons à un certain nombre d'associations. Or, il se trouve que les associations cultuelles ne sont pas au petit b du 1, mais au petit e du 1. C'est un peu plus loin. Ce qui fait que lorsqu'on écrit que c'est réservé au petit b du 1, on exclut très discrètement les associations cultuelles. Et si je parle d'exclusion très discrète, c'est parce que depuis que nous avons eu connaissance du projet de loi et puis du vote de la loi, nous avons bien évidemment interrogé les ministres, et même jusqu'au Premier ministre, sur pourquoi cette exclusion. Et jamais la moindre explication n'a été donnée. La seule explication qu'a donnée le Premier ministre, c'est un impensé. Curieux quand même que dans une disposition législative, il y a un impensé. Hein. Chacun pensera ce qu'il voudra, mais c'est quand même curieux. Alors on peut se demander pour quelles raisons les associations cultuelles ont été exclues, en plus qu'elles sont les seules, je le redis, qui sont exclues de cette disposition. Première hypothèse, ça serait le contentieux ancien entre relatif pour ce qu'on appelle les biens mortes, puisque les biens qui sont propriété d'une association, comme l'association ne meurt pas, sauf dissolution, ce qui n'est quand même pas très courant, il ne rentre plus jamais dans le monde de l'activité économique. Et c'est un reproche qui a longtemps été fait pour l'Église catholique en France, que d'être propriétaire, qui était effectivement le plus gros propriétaire foncier en France. Mais tout ceci, c'était vrai jusqu'en 1789, donc nous en sommes loin. Et ce n'est pas vrai pour l'ensemble des cultes. Or là, ce n'est pas un culte qui est exclu, c'est l'ensemble des cultes qui sont exclus. Donc cette raison paraît peu opérante. Deuxième question, deuxième hypothèse, ça serait... Cette décision a été prise parce que les associations cultuelles ne sont pas d'intérêt général. La difficulté, c'est que d'une part, il y a un avis du Conseil d'État du 15 mai 1962 qui indique que les associations cultuelles peuvent répondre à un intérêt général et qu'en raison des préceptes qui sont formulés dans ces édifices, les mouvements d'entraide que l'on y détermine, ces œuvres ou organismes doivent être regardés comme possédant un caractère philanthropique, éducatif ou social. Et cet avis du Conseil d'État n'est pas un avis pour faire plaisir, puisque c'est à la suite de cet avis, il a été rendu possible de déduire les dons qu'on fait aux associations cultuelles du revenu imposable. Donc c'est un avis qui a eu une suite concrète. Deuxièmement, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de la basilique de Fourvière, qui non seulement est propriété d'une fondation en unité publique, mais qui est gérée par la fondation en unité publique. Or, une fondation en unité publique répond par définition à un intérêt général, sinon elle ne serait pas reconnue d'utilité publique. Et on pourrait donner d'autres fondations en unité publique qui ont des activités cultuelles. On vient à dire que cet impensé qui exclut les cultes, nous n'arrivons pas à en connaître la cause. Mais c'est quand même gênant que le problème demeure à ce stade. D'autant plus qu'il y a eu plusieurs tentatives depuis 2016 pour corriger cette disposition de la loi, tentative qui était appuyée par le Conseil d'État, qui, dans un avis du novembre 2017, disait « Cette différence de traitement n'apparaît pas justifiée dans la mesure où l'ensemble de ces structures bénéficient de la même capacité juridique et ont un même intérêt pour asseoir leur financement à pouvoir disposer de facilités identiques quant à la possession et l'administration des immeubles acquis par elles à titre gratuit. » Donc, en dépit de cet avis favorable du Conseil d'État, la modification n'a jamais été retenue par l'Assemblée nationale. Premier exemple de mesure discriminatoire. Deuxième exemple de mesure discriminatoire, la loi du 30 octobre 2017 sur la sécurité intérieure. Cette loi a été votée pour remplacer et intégrer dans le dispositif permanent les dispositions qui était mise et appliquée dans la lutte contre le terrorisme. Et dans cette loi, il a été prévu pour la première fois
la possibilité pour le préfet de fermer un édifice du culte. C'est la première fois que c'est écrit. Jusqu'à présent, il pouvait arriver qu'un maire ferme un édifice du culte pour des questions de sécurité et des questions techniques de sécurité, mais il n'avait jamais été permis qu'un préfet ferme un lieu du culte. Maintenant, c'est prévu. Alors que la loi de 1905 comportait déjà, aux articles 25 et 35, toute une série de dispositions pour prendre des sanctions à l'égard d'une église dans laquelle aurait été portée atteinte à l'ordre public. C'était déjà prévu dans la loi. Donc c'est venu en sus. C'est intéressant à ce sujet de connaître l'avis qu'a émis la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur cette disposition de la loi. Elle fait remarquer que les aménagements qui ont été apportés au cours du débat parlementaire et qui ont consulté à permettre, quand le préfet décide de fermer un lieu de culte, de saisir le tribunal administratif, ce qui est quand même la moindre des choses, la Commission nationale consultative fait donc remarquer que ces aménagements sont peu efficients, faute pour les magistrats de disposer des moyens non seulement juridiques, mais aussi concrets pour exercer leur contrôle. En effet, en matière de terrorisme, les autorités administratives font souvent leur action sur les notes blanches, qui sont des documents qui émanent des services de renseignement. Or, les magistrats éprouvent les plus grandes difficultés à apprécier la valeur probante de tels documents, et les avocats, ils n'arrivent pas non plus à apporter la preuve contraire, puisqu'ils ne connaissent pas la réalité à l'origine de la note. D'autant plus que parmi les motifs de fermeture d'un lieu de culte, est indiqué des propos, idées ou théories qui provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination. Quand on écoute un prêche sur certains passages de la Bible, voire du Coran, on peut tout à fait trouver des textes qui répondent à cette définition. Et donc ça pose la question de que comprendra la personne des renseignements généraux qui écoutera, comprendra-t-elle la pointe de la pensée du prédicateur? Et le prédicateur tiendra-t-il toujours des propos assez explicites pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en la matière? Et puis on peut aussi s'interroger sur les conséquences d'une telle fermeture. Par elle-même, la fermeture ne saura empêcher la reprise dans d'autres cadres des propos considérés, ce qui reviendrait à dire que ça favoriserait leur dissémination. Si une surveillance est justifiée, d'une certaine manière, elle est facilitée par le respect de la liberté de réunion publique, on sait où les propos sont tenus. Donc, une fois de plus, à l'égard de cette disposition, on peut se demander si l'ensemble du corpus des dispositions législatives en vigueur, bien au-delà d'ailleurs de la loi du 9 décembre 1905, il y avait aussi des dispositions dans le code pénal, n'était pas suffisant, et s'il était vraiment nécessaire de créer une fois de plus, de céder à l'inflation législative qui nous caractérise. Pour bien apprécier les initiatives parlementaires en la matière, puisque ça c'était deux lois qui avaient été proposées par le gouvernement, et maintenant j'ai passé des lois proposées par le gouvernement aux lois proposées par les parlementaires, ce qu'on appelle les propositions de loi. Et dans ce cadre, je vais vous proposer deux propositions de loi qui sont particulièrement intéressantes. Deux, j'en mets un florilège, parce qu'il y a énormément de propositions de loi déposées par les parlementaires sur les questions du culte. C'est un sujet qui leur tient à cœur. La première proposition de loi a été déposée le 3 décembre 2018 par M. Moret. M. Moret a piloté tout un groupe de sénateurs qui a fait une étude très intéressante sur le financement des lieux de culte en France. Et c'est après tout ce travail sur le financement des lieux de culte en France qu'il a déposé cette proposition de loi. L'objet de cette proposition de loi, c'est de reconnaître la capacité d'une commune ou d'un département pour des garanties d'emprunt. Et deuxièmement, offrir la possibilité à une collectivité territoriale de céder un édifice cultuel à une association cultuelle à l'échéance d'un bail emphytéotique conclu entre les deux parties. C'est là une question importante, puisque depuis les années 30, il est possible à une commune de consentir un bail emphytéotique à une association cultuelle. Ça veut dire que sur un sol appartenant à la collectivité, l'association cultuelle va construire un édifice dont elle sera locataire, la plupart du temps pour un loyer tout à fait symbolique, et qu'à l'issue des 99 ans, le bien deviendra propriété de la commune. Or, un bien qui devient propriété de la commune, c'est en théorie régi par la loi de 1905 qui ne le permet pas. Ne peuvent être propriété d'une commune que les biens qui étaient déjà propriété de la commune en 1905.
Donc c'est une question qui se pose, et ce n'est pas une question théorique, puisque ne serait-ce qu'à Paris, il y a plus de 40 églises qui sont dans ce cas, et qui vont bientôt, la question va se poser dans 10 ans. Et donc c'était une première esquisse de solution pour ces divers lieux, sachant que ça sera aussi appliqué par la suite aux mosquées qui ont été construites dans le même cadre. Cette proposition de loi a été déposée, elle n'a pas encore été débattue. Donc il faut attendre que le débat ait lieu. Par contre, une autre disposition de loi a été déposée en 2017, donc elle a, elle, déjà été débattue. Elle s'appelait initialement « Proposition de loi tendant à imposer au ministre des cultes de justifier d'une formation les qualifiant à l'exercice de ce culte ». Alors cette disposition mérite d'être étudiée attentivement parce qu'elle témoigne tout à fait d'un certain nombre d'éléments et, me semble-t-il, d'un certain nombre de méconnaissances de la question. La législation française depuis 1905 ne définit pas ce qu'est un ministre du culte. Et la question a été étudiée attentivement en 1978, quand a été créé le régime spécial de sécurité sociale pour les ministres du culte, puisque à créer un régime spécial pour eux, il fallait savoir qui ils étaient. Et le rapporteur a expliqué, il n'existe aucune définition du culte, et donc puisqu'il n'y a pas de définition du culte, il n'y a pas de définition du ministre du culte. Et il avait rajouté, le législateur n'est pas habilité à se prononcer sur de telles questions dans un état neutre qui ne reconnaît aucun culte. Et ça a été jusqu'à présent le point de vue des parlementaires. Ce qui revient à dire que lorsque des parlementaires déposent un projet de loi pour définir ce qu'est un ministre du culte, ils mettent fin à une longue tradition en la matière. Et la tradition, ce qu'ils proposaient, était quand même assez précis. Ils disaient que était ministre du culte, il fallait justifier d'une qualification acquise, ça on est bien d'accord, sanctionné par une instance suffisamment représentative de ce culte sur le territoire national. Que veut dire instance suffisamment représentative de ce culte? Bien difficile de le savoir. D'autant plus que ces critères de représentativité auraient été fixés par décret en Conseil d'État. C'est-à-dire, c'est revenir tout à fait à un régime tout à fait où c'est l'État qui définit beaucoup de choses. Et le titre de ministre du culte aurait été conféré à toutes les personnes qui occupent, en vertu d'un contrat, ou à quelque titre que ce soit, et en quelque lieu que ce soit, une fonction primordiale dans la direction, le déroulement, l'animation et l'enseignement d'un culte. Ce qui revient à dire que seules ces personnes auraient été en droit de présider un exercice du culte, ce qui revient tout à fait sur la liberté de réunion en France. En France, depuis la loi de 1881, tout le monde peut tenir des réunions sans avoir quelques compétences et sans avoir quelques titres que ce soit. Ça veut dire que cette loi aurait connu une exception pour l'exercice du culte, une exception limitative, premièrement. Deuxièmement, n'aurait pu présider un exercice du culte qu'un ministre du culte, ce qui est tout à fait contraire à ce que pensent les protestants, entre autres en la matière, puisqu'il arrive tout à fait que les laïcs reçoivent un mandat régulier ou occasionnel pour l'exercice de la présidence de l'exercice du culte. Troisièmement, cette loi, parce que ses promoteurs s'étaient rendus compte que c'était nécessaire, exigeait que tous les cultes soient conformes à la loi de 1905, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Nous avons choisi, les protestants, comme les juifs d'ailleurs, d'appliquer la loi de 1905, mais entre autres, ça n'a pas été suivi par l'Église catholique, qui n'est pas organisée en fonction de la 1905, mais en fonction de la 1901 et de la pratique des réunions. Ce qui veut dire qu'une telle proposition de loi ignorait, il faut dire les choses comme elles sont, la totalité de l'histoire, en tout cas, du droit des cultes en France. Le Sénat s'en est rendu compte, et après en avoir débattu toute une après-midi, n'a pas retenu toutes ces dispositions. Mais se dire qu'il y avait eu 57 sénateurs qui avaient signé la proposition de loi et qui avaient insisté pour qu'elle soit examinée par le Sénat, alors même que le Sénat a reconnu que ce n'était pas possible ni concevable, c'est quand même un signe intéressant, significatif, d'une certaine méconnaissance d'un ensemble de règles qui existent en France depuis fort longtemps. Ces deux propositions de loi, nul ne sait ce qu'elles deviendront. Proposition de loi, vous savez, chaque parti peut en proposer une fois par an. Et il faut qu'ensuite elle passe d'une assemblée à l'autre assemblée, qu'elle revienne s'il y a des modifications. Donc c'est un long parcours. Mais elles sont intéressantes dans l'intention
qu'elle représente. À côté de ces propositions de loi, il y a les propositions faites par les présidents de la République, qui sont aussi des personnages spécifiques. Et je parlerai de deux propositions particulières. La première, c'était la proposition qu'avait faite le candidat à l'élection en 2012, qui a été élu. Il avait, dans son programme, écrit « Je proposerai d'inscrire les principes fondamentaux de la loi de 1905 sur la laïcité dans la Constitution en insérant à l'article 1er un deuxième alinéa ainsi rédigé. La République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et respecte la séparation des Églises et de l'État, conformément au titre 1er de la loi de 1905, sous réserve des règles particulières applicables en Alsace-Moselle. » Cette proposition de modification de la Constitution aurait soulevé au moins trois difficultés. Première difficulté, elle aurait donc rendu obligatoire la loi de 1905 sur le territoire, sauf pour l'Alsace-Moselle où on n'aurait pas eu de changement. La difficulté, c'est que sur le territoire national, il n'y a pas que la loi de 1905 qui est appliquée. Comme l'Église catholique a refusé de l'appliquer, il y a une loi, la loi du 2 janvier 1907, qui a rapidement permis qu'indépendamment des associations cultuelles, l'exercice public d'un culte soit assuré soit par le moyen d'une loi régie par la loi du 1er juillet 1901, soit uniquement par la voie de réunions tenues sur une initiative individuelle. Or, ça veut dire que cette modification de loi aurait obligé à repenser toute l'organisation de l'Église qui se trouve être la plus nombreuse sur le territoire national. Et deuxièmement, dans les territoires d'outre-mer, pas tous parce que c'est très compliqué, mais bref, dans la plupart des territoires d'outre-mer, sont applicables non pas la loi du 9 décembre 1905, mais ce qu'on appelle les décrets Mandel du 16 janvier 1939, qui prévoient un autre dispositif. Ce qui fait qu'on est obligé de constater que la Troisième République, dont on ne peut pas contester son attachement à la laïcité, c'est elle qui, tout au long de son existence, l'a mis en place dans tous les domaines, la Troisième République elle-même a constaté qu'elle devait adapter un certain nombre de principes à l'ensemble et à la diversité du territoire. Et que la proposition qui était faite, c'était de passer de cette diversité qui existe et qui fonctionne à un système beaucoup plus restreint, puisqu'il y aurait eu le système de la 1905 et la situation particulière de l'Alsace-Moselle. Première difficulté. Pour la petite histoire, depuis lors, le Conseil constitutionnel a, dans des décisions de 2013 pour l'Alsace-Moselle et de 2017 pour la Guyane, dit que ces dispositions, les dispositions spécifiques pour ces territoires, qui existaient avant qu'on écrive dans la Constitution que la France était une république laïque, n'ont jamais, dans l'intention du constituant, été modifiées, et qui n'ayant pas été modifié dans l'intention du constituant, était toujours applicable. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel a considéré que le régime spécifique de l'Alsace-Moselle et que le régime spécifique de la Guyane, tant qu'une loi ne change pas, c'est quand même la possibilité qu'il a ouverte, bien évidemment, tant qu'une loi ne change pas, sont conformes au principe de laïcité de la Constitution française. Donc ce premier volet a de ce fait été un peu balayé par les décisions du Conseil constitutionnel. Mais la proposition de constitutionnaliser le titre premier de la loi portait d'autres problèmes. Dans le titre premier de la loi, il y a l'article 2 qui est relatif au non-subventionnement des cultes. Et ce principe de non-subventionnement des cultes, il comporte dans la loi elle-même plusieurs exceptions. Plusieurs exceptions, puisque la loi dit que les biens qui appartenaient aux établissements publics qui allaient passer au cultuel n'auraient pas à payer de droit d'enregistrement au trésor, puisque la loi prévoit aussi le classement des édifices du culte comme un monument historique, justement pour permettre des subventions des pouvoirs publics, puisque la loi prévoit également l'exonération de l'impôt foncier, et toutes ces dispositions ont été complétées par d'autres dispositions après coup. Alors que si l'article 2 de la loi qui prévoit le non-subventionnement des cultes, avait été constitutionnalisé, toutes ces dispositions auraient été abrogées. Ce qui aussi aurait quand même bouleversé beaucoup la pratique. Et puis enfin, troisièmement, il existe un autre principe
aussi important que ceux qui sont inscrits à l'article 1 et à l'article 2, c'est-à-dire dans le titre premier, c'est le principe qui est inscrit à l'article 4. L'article 4 de la loi exige que toute association cultuelle se conforme aux règles d'organisation générale du culte dont elle se propose d'assurer l'exercice. C'est une disposition essentielle qui a été votée par 95% des députés. Alors souvent, la loi est passée à quelques voix près. Là, l'Assemblée, à quelques exceptions près, a été d'accord. Et lorsque cet article 4 a été voté, Jaurès a dit « la loi est votée ». Effectivement, c'était le point essentiel de la loi. Donc je veux dire, ce n'est pas un détail, mais ce point essentiel n'est pas dans le titre premier. Ça veut dire que si on avait constitutionnalisé que le titre premier, on aurait oublié. C'est un aspect très important, d'autant plus important que ce respect des principes d'organisation de chaque culte a depuis été reconnu comme un principe essentiel par la Cour européenne des droits de l'homme, que nous avons ratifié et dont nous devons tenir compte également. Ceci pour dire que dans cette disposition, ce projet de modification de la Constitution, qui heureusement n'a pas été retenu, aurait soulevé pas mal de difficultés. Ceci étant dit, il en aurait été de même si avaient été retenues les propositions qu'a présentées l'actuel président de la République le 10 janvier 2019, s'il n'y a pas très longtemps, puisqu'il a, ce jour-là, remis aux responsables des cultes en France un document qui s'intitulait « Piste législative en vue de renforcer la laïcité » et garantir le libre exercice du culte. Et ce document prévoyait plusieurs modifications de la loi, dont au moins trois ont soulevé tout de suite débat. Premièrement, confier au préfet la responsabilité de reconnaître ou non la qualité d'association cultuelle. Deuxièmement, accroître les compétences de l'Assemblée générale de l'association pour qu'elle se prononce sur la nomination des ministres du culte. Et troisièmement, soumettre les financements venus de l'étranger à une procédure de déclaration et de contrôle particulier. Ce projet a été abandonné assez vite, compte tenu des réactions que nous avons eues à son encontre. Mais il vaut la peine de le connaître, dans la mesure où il a été abandonné sous cette forme-là, mais il est toujours dans l'intention de revenir sur ces questions. Et donc j'en arrive au dernier point de cette intervention. Au regard de tous ces projets nombreux, puis de nombreux écrits qui ont été publiés récemment, quels seraient les principes fondamentaux à respecter en matière de modification du cadre législatif des cultes en France? Autour de trois questions. Premièrement, quelle motivation pour justifier des prescriptions législatives spécifiques aux cultes? Deuxièmement, quel respect des règles générales d'organisation de chaque culte? Et troisièmement, quel contrôle pour les associations cultuelles? Donc, premièrement, quelle motivation pour modifier les règles relatives au culte? Tout au long de la préparation de la loi de 1905, sans cesse, les députés ont posé la question suivante. Est-ce que les associations cultuelles suivront la règle générale? La règle générale, c'était la loi de 1901, qui avait été votée et promulguée 4 ans plus tôt. Ou est-ce qu'elles seront des règles particulières? C'est lancinant tout au long du débat. Et en définitive, la réponse a été, elles appliquent les deux. Elles appliquent la loi de 1901 pour tout ce qui est général. Et dans la mesure où on leur confie des biens qui étaient antérieurement propriété d'un établissement public, elles appliqueront certaines règles particulières. Ces règles particulières étaient justifiées par le transfert de propriété de biens appartenant avant un établissement public. Ces règles ont été écrites, ont été rédigées, ont été appliquées. Il y avait une cause précise, une conséquence, et ceci a été appliqué. Mais quelles seraient aujourd'hui, en 2019, les règles, les motifs qui justifieraient de nouvelles règles? Et en particulier, s'il est justifié de modifier les règles en vigueur, pour quelle raison? Pour quelle motivation? Est-ce que parce qu'on a des faits précis, significatifs et en nombre, qui ne pourraient pas être réprimés par les règles en vigueur,
et qui justifierait de nouvelles exigences pour le maintien de l'ordre public, puisque seul l'ordre public peut justifier de limiter une liberté publique. Et pourquoi, par exemple, demander, comme c'était le cas dans ce document du 10 janvier 2019, aux associations cultuelles de respecter non seulement l'ordre public, mais aussi les droits et libertés garantis par la Constitution. En fait, demander de respecter les droits et libertés garantis par la Constitution, c'est une obligation qui vaut pour tous les groupements établis en France et pas uniquement pour les associations cultuelles. Excusez-moi, je n'avais pas été aussi prudent que lui. Donc, première question, quelle motivation? Et quand nous avons posé ces questions, l'explication nous a toujours été donnée. Les inquiétudes que font naître un culte bien particulier, à quoi nous disons, ce n'est pas parce qu'il y a des inquiétudes qui naissent d'un culte qu'il faut modifier les règles relatives à tous les cultes. Et en plus, en ce qui concerne les inquiétudes qui proviennent de ce culte, les dispositifs législatifs existent déjà. On n'a pas besoin d'en rajouter de nouveau. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, quel respect des règles générales d'organisation du culte? Je vous l'ai expliqué, le principe fondamental posé à l'article 4, c'est « chaque culte suit les principes qui le caractérisent ». Dans ces conditions, il ne serait pas possible, pour prendre l'exemple de l'EPUF, par exemple, l'Église protestante unie de France, de demander que l'Assemblée générale se prononce sur la nomination des ministres. Tout simplement parce que ça n'a jamais fait partie des caractéristiques d'une Assemblée générale, ça a toujours été les conseils, dès le XVIe siècle, et non pas l'Assemblée générale qui procédait. Deuxièmement, parce que ce n'est pas que le conseil presbytéral qui nomme les ministres, c'est le conseil presbytéral et le conseil régional. Et en plus, ça ne pourrait pas être demandé à l'Assemblée générale d'une diocésaine, puisqu'une association diocésaine n'a aucune compétence dans le domaine spirituel. Elle est là que pour les questions matérielles. Ce qui reviendrait à dire que comme il n'y a pas d'association administrativement responsable du spirituel dans l'Église catholique, on ne pourrait pas le demander à son Assemblée générale, puisqu'elle n'existe pas, alors qu'on pourrait le demander à l'Assemblée générale d'une culturelle protestante ou juive. Ça serait vraiment curieux. Quand nous avons fait ces remarques, nos interlocuteurs ont eu l'air perdus. Alors que c'était du simple bon sens. Le hasard a fait que j'ai parlé à cette réunion avant le secrétaire général de la conférence des évêques, il y avait un grand sourire en m'écoutant, parce qu'il n'avait pas besoin de le dire, mais c'était quand même extraordinaire de se rendre compte que ceux qui avaient préparé ce texte avaient oublié ce détail essentiel, caractéristique de la première religion en France. Donc, je crois qu'ils ont compris que c'était un point entièrement retiré. Troisième question, quel contrôle pour les associations cultuelles? Il faut savoir qu'en France, la liberté d'association est une liberté constitutionnelle. Et la loi de 2009 a bien, la loi de simplification de 2003, a bien affirmé le principe que chaque association se crée librement et que si le préfet estime qu'elle fait courir des risques à l'ordre public ou qu'elle ne respecte pas les lois qui la régissent, il lui appartient, lui, préfet, de saisir le tribunal. Et nous sommes tout à fait d'accord, il peut arriver à tout le monde de ne pas respecter la loi, c'est pour ça qu'il y a les tribunaux. Mais le projet gouvernemental, c'était permettre au préfet de sa propre autorité et de lui-même de ne pas reconnaître une association comme cultuelle, quitte à ce que celle-ci saisisse le tribunal. C'est-à-dire qu'il a inversé la charge de la preuve, le préfet faisait ce qu'il voulait, et si l'association cultuelle n'est pas contente, c'est elle qui est devant le tribunal. Nous disons, on est tout à fait d'accord pour que les tribunaux interviennent, mais comme pour tout le monde, c'est-à-dire si le préfet n'est pas d'accord, il saisit les tribunaux, et les tribunaux se prononcent, ce n'est pas l'objet du débat. Et ensuite, pourquoi prévoir un contrôle financier uniquement pour les associations cultuelles, alors que lorsqu'on lit la presse sur un certain nombre de scandales, ce n'est pas les associations cultuelles qui manient le plus d'argent. En tout cas, ce n'est pas ce que dit la presse et les dossiers qui sont publiés. Donc, là aussi, cette motivation qui avait été plusieurs fois exprimée et qui l'est toujours, puisque j'ai interrogé la semaine dernière un responsable, il m'a dit que ça faisait toujours partie des projets actuels, de soumettre un contrôle financier particulier aux associations cultuelles, cette motivation nous paraît tout à fait discutable. Donc, en guise de conclusion, il se trouve que les protestants, d'une part, pour leur diversité de confession de foi et leur diversité de
d'organisation de leur église, nous représentons certainement le plus grand nombre d'associations culturelles en France. On considère qu'il y a entre 4500 et 5000 associations culturelles en France, et les protestants représentent autour de 3000, l'ensemble de protestants. Donc il se trouve que nous avons quand même quelques compétences en la matière, au moins quelques expériences. En 1905, pour revenir au point de départ, l'objectif initial de la commission chargée de préparer la loi, c'était de dire on ne fait aucune règle particulière, on appliquera pour les cultes la loi de 1901. C'était son point de départ. Et elle s'est rendue compte elle-même au cours des débats que ce n'était pas possible, qu'il fallait tenir compte d'un certain nombre de spécificités. Et ces spécificités qui ont été inscrites dans la loi de 1905, elles ont ensuite été étendues en 1924 pour régler la situation de l'Alsace-Moselle et en 1939 pour régler la situation des territoires d'outre-mer. Conclusion, nous disons cette diversité qui est apparue nécessaire, pourquoi y mettre fin? Et pourquoi ne pas tenir compte d'une concertation avant de proposer des modifications, puisque la grande caractéristique et de 2012 et de 2019, c'est que dans les deux cas, les candidats président de la République ou le président de la République n'avaient organisé aucune concertation avant de faire des propositions. Donc, le point de vue de la Fédération protestante consiste à dire on peut discuter de tout, il n'y a pas de disposition qui serait gravée dans le marbre, des variétés tout, mais on commence par discuter et on commence surtout par motiver. Et c'est là que je rappellerai cette explication de 2014. Personne ne nous explique pourquoi en 2014 les cultuels ont été exclus, et lorsqu'on a insisté pour avoir une réponse, la réponse c'est un impensé. Ça ne nous paraît pas une réponse satisfaisante. Merci.